Ça va les amis? Ouais. Superbe, ça se passe le couvre-feu, c'est bien? Non. Ouais. Petit spectacle à 18h, à l'heure du goûter, ça fait plaisir. Moi personnellement, le couvre-feu, ça me fait un peu yèche. Je vais être honnête avec vous. Enfin, ça me fait yèche. En vrai, ça fait surtout yèche mes principes. C'est vrai que je me suis rendu compte qu'en fait j'étais devenu un relou avec l'esprit de contradiction, c'est tout. Tu sais, moi je suis pareil, toute l'année tu m'entends bassiner tout le monde et j'ai pas une seconde pour moi et je rêve que d'une soirée Netflix à rien foutre. L'État il nous impose de le faire. Et c'est un scandale. Et vous m'ôtez mes libertés. Rendez-vous place de la Bastille pour la manifestation. Bien sûr, on est devenus des connards les gars. On a fait pareil pour les masques en vrai. Et à un moment il y avait pénurie de masques, on était tous en mode. C'est un scandale, je veux mon masque, c'est quoi, c'est pas normal. Maintenant que le masque il est obligatoire. C'est un scandale, je veux plus mon masque, c'est pas normal. Rendez-vous place de la Nation pour manifester, place de la Bastille c'est déjà pris. Ouais, on comprend l'idée, tu vois, c'est plus le principe, tu vois, en toute liberté c'est relou. Ouais, c'est vrai, t'as pas tort, t'as pas tort. Non mais c'est vrai, non, en fait, en vrai, la question, pourquoi ça nous fait yèche, c'est qu'on a juste l'esprit de contradiction en tous. Moi le premier, dès que tu me dis fais pas ce truc... Eh comment j'ai trop envie de faire ce truc là. Mais ça c'est depuis la nuit des temps, hein. ça date depuis Adam et Ève. Oui. Ah oui, tu me disais, eh oui, Ève, on lui a dit, surtout mange pas la pomme, elle a répondu... La vie de ma mère, je mange la pomme. Elle a dit comme ça, elle a dit, je mange la pomme, après le reste, je fais des chiches à pomme. Elle a fumé le jardin. Bien sûr, elle le dit pas, mais c'est ça. Donc on est tous comme ça, ok. Maintenant, faut arrêter. L'être humain, si tu lui dis, fais pas ça, il va vouloir faire ça. Donc conscient de ça pour que l'inverse se produise. On propose pour 2021 d'imposer aux gens de réélire Donald Trump, de continuer de donner une tribune à Éric Zemmour, de renforcer les inégalités hommes-femmes et de continuer de regarder les Marseillais à la télé. Wow. Oui, mon gâté. Shifter Pro. Oui, vous allez beaucoup trop dans contresens. Non, c'est vrai, les gars. Vous êtes à contresens, putain. Merde. Ça, on fait le jubilé, voilà, les Marseillais versus quoi, les ch'tis, le reste du monde, mon cul, là. Ah, en fait, on fait la dernière saison, les Marseillais versus le Pôle emploi, vous cherchez un petit peu, nous laisser tranquille. Ouais. Ah, c'est énervant, ces gens, c'est énervant. Le type de gens relou qui est apparu avec le Covid, tu le connais, ce gars qui a des infos? C'est des trucs que toi, tu sais pas sur le Covid. Et il te sort des phrases du genre... Avec des gens placés, je peux te dire dans deux semaines ça va reconfiner. On parle le stock des PQ, parce que là c'est ça. Toi t'as des infos secrètes. Oui, mais c'est... Toi tu sais des trucs que je sais pas. Quand je viens chez toi, tu connais pas le code wifi, enculé. Qu'est-ce que tu racontes? Et ce gars-là ne cite jamais ses sources. Non. Jamais. Sa source, c'est un tweet de GG94 Anonymous. C'est pour ça que ça cite jamais ses sources, ce bâtard. Enfoiré, ouais. Non, c'est vrai. Mais après, on blague, on fait des blagues. Parce que voilà, c'est un peu notre métier. On est semi-pro. Mais. Non, le vrai débat. C'est qu'il faut qu'on reste vigilant. C'est normal, c'est pour pas saturer les hôpitaux qu'on fait ça. Voilà, on fait attention. Faire attention. Réalise juste un truc, si je peux me permettre. Permets-toi. Moi, il y a 2 ans. Ça m'a coûté 150 balles de déteinter les vitres de ma voiture, d'accord? Parce que l'État, il a dit... Il faut pouvoir distinguer le visage de tous les citoyens dans la rue. Ok. Maintenant que tous les citoyens dans la rue, ils ont un masque sur la gueule. J'envoie mon RIB à qui pour le remboursement? C'est vrai. Non, il a pas tort. Non, mais parce qu'en vrai, quand les conditions changent, on dit que ça devient caduque. Ah, caduque qui vient du latin. Alors, rends-moi mon oseille. Après, si moi aussi je peux me permettre. Ce n'est pas que mon sketch, tu peux y aller, vas-y. Il y a 2 mois, les beaux jours arrivant, je veux m'acheter un petit polo. Ok. Du coup, je vais chez Lacoste, parce que je trouvais que leurs égéries, elles étaient cool. Du coup, Lacoste, j'envoie mon RIB à qui pour le remboursement. Je suis caduque de 90 balles, les gars. Vous m'en gâtez. Alors, on espère que t'as kiffé cette petite vidéo. Bon, tu connais le principe, hein? Le pouce bleu, le commentaire, et on s'abonne. Tu t'abonnes, allez, on te regarde. Abonne-toi!